sur mon mur, on le garde un court instant pour que ben, les gens voient ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a qui? Il y a 3-4 personnes connectées, tu vois, en haut, ça est en train de d'arriver gentiment. Ah ouais, vraiment gentiment alors. Ah, moi j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai très peu d'amis, mais c'est des vrais amis. Ça monte, on a 6 connectés, on est tous des chrétiens. Et ce matin, dans notre cœur, Rémi de l'armée de Dieu qui vient d'arriver. Ah, salut Rémi, mon pote. Salut Rémi, que Dieu te bénisse pleinement. Salut, voilà, sauf-ti, t'as un mot à dire pour le Rémi? Non, non, pas. Quelle beauté. Qu'est-ce qu'il y a? Un mot pour Rémi? On pense à toi. Kevin? Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon Rémi. J'espère que tu vas bien. Et puis voilà. Écoute, on est sur la route. Nous, on va là-haut, là. Et puis voilà, c'est pas le droit de dire ce qu'on fait. Voilà. Je vais attendre un mot pour Rémi. Bah, Rémi, que Dieu te bénisse. Voilà, comme tu vois, eh bien, écoute, on va évangéliser. Donc voilà, eh bien, que Dieu te bénisse et que la paix de Dieu soit sur toi. Alors, attends, j'ai un mot, en fait. Rémi, je te fais une annonce là maintenant, parce qu'on vient d'en parler avec les frères qui sont là et avec la locomotive. Pas samedi là, mais samedi prochain, on va tous débarquer à Toulouse. À Toulouse. Donc je vous souhaite de venir avec nous vraiment. Voilà. Rémi, s'il te plaît. Évangélisation, frères et sœurs. Efforce-toi. À Toulouse, nous, samedi prochain. Motive les frères et les sœurs. Les rues reprennent. Ah, vas-y, Sophie, donne ton mot. Vas-y pour le Rémi. Les rues reprennent. Toujours, ben nous aussi, on que Dieu vous bénisse à tous. Priez pour nous. En vrai, c'est pas parce que des fois on s'appelle pas et tout. Voilà, aujourd'hui on va sur Paris. On est parti de Tarbes ce matin à 5h du matin. On va sur Paris. Puis voilà. Que Dieu te bénisse vraiment. Ceux qui verront cette vidéo, ben là, on va travailler pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va rejoindre des copains, des chrétiens qui sont là-bas. On a prévu de faire avec eux. Et là, depuis ce matin, on est parti sur les routes depuis 6h du matin, on se donne à cœur joie. C'est vraiment un privilège pour nous d'aller rejoindre des frères en Christ dans les rues. Que Dieu bénisse ceux qui verront cette vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous mes frères, mes soeurs. Remets-le au début, samedi, on va le chanter. Samedi prochain. Pas ce samedi carré, mais samedi prochain on sera à Toulouse. On va reprendre les rues, frères et sœurs, et on est vraiment au taquet. On chante Sophie ou quoi? On chante Sophie ou quoi? Pour que nous recevions alléluia. Un encouragement. Moi par votre foi et vous par la mienne. Gloire à Dieu. Une communion fraternelle authentique se caractérise où chacun donne et reçoit. Et vas-y, où Sophie. Les membres du corps dépendent des uns et des autres. Voilà, il y a une femme, qui me demande là. On chante le cantique après, on fond, si tu veux. Vas-y. On chante le cantique, dis-lui à la sœur. Ouais. Si ça ne dérange pas. Division. Car l'unité sera toujours source de bénédiction. On peut pas répondre au téléphone, on est en direct. Disposer le corps de la manière à donner plus d'honneur à ceux qui qu'il n'est pas division. Chacun de nous doit prendre ses mains et respecter son prochain. Il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et si le pied ou l'oreille disait pour lui passer honoré, comment le corps pourrait-il fonctionner? Tous ensemble les gars, tous ensemble. Nous sommes un corps et on va travailler dans le même accord. Il a voulu pour servir Jésus. C'est dans l'unité
soin pour la communion des frères d'être et sœurs. Partout ses témoins. Il ne faut pas mettre de côté. Kevin est malade avec le talent. Il a peur. Tellement grand, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus compte sur nous, il faut être ensemble. Personne ne doit être ignoré. Alléluia. Mais dans notre cœur, à servir le Seigneur. Quand ça conduit notre vie, un corps et on doit travailler d'un même accord. Gloire à Dieu. Un œil ne peut pas dire à la main qu'on n'a pas besoin d'elle. Dans le corps de Jésus, il n'y a pas de petits ou de grands. Tous sont fonctionnels. Tout le monde sert à quelque chose, frères et sœurs. Donc voilà, bien écoutez, l'armée de Dieu, elle n'est pas morte. L'armée de Dieu est bien vivante. Amen. Et puis, je peux vous dire que là, eh bien, on va travailler pour le Seigneur, avec la grâce de Dieu. Et vraiment, il y a un vif désir dans notre cœur. Donc, on va reprendre aussi les rues samedi prochain. On va faire de l'évangélisation. Et puis, voilà. Donc, eh bien, ça y est, ça repart. Maintenant, on en a marre de... La maladie, elle est là. Et puis, on ne peut rien faire quand même. Alors, eh bien, écoutez, à la grâce de Dieu... Pour l'instant, il y a des gens qui se meurent, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Je peux vous dire, on a repris les réunions de quartier. Et il y a des gens qui se donnent à Dieu. Il y a vraiment des gens qui ont fait la paix avec le Seigneur. Donc voilà, certainement que dans l'hiver, vous verrez certainement des baptêmes avec la grâce de Dieu. Il y a pas mal de gens qui suivent le Seigneur. Et puis cet hiver, avec la grâce de Dieu, on va faire des baptêmes, frères et sœurs. Et quand il y aura les baptêmes, on fera des directs. Et toute la gloire revient à Jésus-Christ. Voilà les frères avec qui on travaille. Voilà, donc eh bien Kenji, il y a Kevin, dit le médecin sans frontières. Donc il y a, comment ça s'appelle, Softy, Steve, Michel, Manny, tous les frères. Que Dieu vous bénisse à tous. Il y a Curley, tous les frères, voilà, que Dieu vous bénisse. J'envoie un bonjour aussi, un gros big up à mon frère, Pew. Il a non, mais il la verra certainement. Donc que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, alors tout à l'heure, il y a une sœur qui demandait comment faire quand la chair reprend le dessus. Eh bien, tout simplement, il faut se battre. Voilà, il faut la crucifier, comme dit Softy. Il faut être dans la prière, très important, la prière. Ça fait bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, on vous laisse. Je publie pas ce direct, hein. Ça reste entre nous. Bon, mais écoutez, on va vous laisser. Voilà, on va rouler tranquille. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, priez pour nous, on en a besoin. Vraiment, l'ennemi essaye d'arrêter ce qu'on fait pour le Seigneur. Mais en fait, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà, donc, eh bien, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, comme dit l'autre.
Et on est prêt à reprendre du service et on reprend du service. Donc voilà, et puis que le Seigneur bien puisse l'utiliser de chacun de nous, c'est-à-dire vous comme nous. Hein, puis sortez, voilà, ne soyez pas des religieux, je m'excuse. Sortez, frères et sœurs, allez dans les rues, bien donnez des prospectus. Je vous le dis en vérité, la maladie elle est là, c'est vrai. Mais on fait nos trucs, on travaille, on va au magasin, on va se promener de partout. Voilà, alors on craint de faire pour les choses de Dieu, mais pour nos affaires à nous, on craint pas. Voilà, alors c'est important de faire ce qu'il y a à faire pour le Seigneur. Je vous le dis en vérité, l'ennemi a essayé de nous arrêter là dans les 15 jours, mais il a été vaincu au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est vainqueur et plus que vainqueur. Et Dieu, eh bien, nous a gardés bien, dans ce qu'il y a eu. Voilà. Hein? Je vous dis un petit mot, Kev. Vas-y, un petit mot d'encouragement, Kev. Allez, encourage les frères et sœurs. Ils ont besoin d'entendre un mot, là. Alors, un petit mot d'encouragement, en fait, non. C'est que même si vous êtes au milieu d'une voiture derrière, vous avez les jambes serrées, ben, c'est pas grave, il faut travailler pour ça. Ah, il dit ça parce qu'il fait 1m90 et... Il est plié comme un lapin. Voilà, mais écoutez, priez pour Kevin, qu'enfin qu'il puisse remarcher quand il va sortir à Paris. Bon, que Dieu vous bénisse. Ciao. Alors, vous faites le baptême par immersion. Alors oui, on fait le baptême par immersion, bien sûr. Amen. Comme la Bible nous enseigne, tout simplement. On ne fait pas le baptême... voilà, trois gouttes d'eau, c'est vraiment le baptême par immersion, bien sûr. Et on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la Bible nous enseigne. Voilà, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la Bible nous enseigne. Pas au nom de Jésus seul, hein, voilà. Donc, eh bien, on applique la parole de Dieu, la doctrine, comme je parle souvent. Et on veut la Bible tout entière et non à moitié. Voilà. Donc, on fait ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit aller par le monde, et bien on va par le monde. Voilà. Voilà, priez frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour le petit Mao qui a besoin de Dieu. Hein, nous, on continue à prier pour lui. Il y a aussi le petit meilleur, hein, que Dieu le bénisse à ce petit-là aussi. Voilà, bien tous ceux qui ont besoin du Seigneur, on prie pour vous. Voilà, on ne vous oublie pas dans nos prières, vraiment on prie. Et puis, ne croyez pas qu'on ne prie pas pour vous, vraiment. On présente les cas dans les réunions, on présente les cas aux frères et aux sœurs. Et il y a des gens qui prient pour vous et que Dieu vous bénisse. Et que toute la gloire revienne au Seigneur et que dans cette journée, eh bien, il nous garde à chacun d'entre nous. Ciao, ciao.